Bonjour, vendredi matin. Je me suis levée il n'y a pas longtemps. Alors, aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de ma fille. Bon, son anniversaire, c'était pendant le confinement, mais bah, on avait envie de le fêter tout simplement. Donc, ça va être ce soir chez ma maman. On va décorer la table, on va faire une crêpe partie. J'ai commandé un gâteau. Et là, on va chercher les croissants en chocolat pour ce matin. Avec ceci ? Je pense que c'est trop tôt pour ma commande hein, du gâteau. Non, il est prêt. Ah, c'est vrai, bah, je le prends. Le gâteau, je vous montrerai plutôt ce soir. Il est très joli. Je l'ai commandé, je l'ai fait faire, on va dire. Tu les as mis où, les wraps ? Ah non, on va les mettre au frigo. Et sinon, bah, deux pains au chocolat, deux croissants. Oh, mais il est à l'envers, Gilles, vous auriez pu me le dire quand même. Voilà, c'est mieux. Ma fille va arriver parce qu'on va faire ça toutes les deux. De façon à ce que... Parce que ça se passe chez ma maman, mais je veux pas qu'elle ait... grand chose à faire, en fait rien à faire, l'étude pause, à la limite tu nous sers l'apéro, c'est tout. On va donc aller faire les petites coursettes et pour tout ce qui est déco de table et bien sûr pour tout ce qui est pâte à crêpes, ça j'ai déjà tout, mais ingrédients qu'on va mettre dedans. Le gâteau, je vous ai dit, c'est bon, et cadeau de ma fille, c'est bon aussi, j'ai reçu. Aussi, concernant mes cheveux, déjà, c'est le retour du ciseau. J'ai recoupé droit parce que j'en ai marre dans mes vidéos de voir que c'était soit comme ça. Bon, bref, là, j'ai essayé de faire un truc à peu près correct. Si ma coiffeuse regarde. Bon, en général, elle me dit que c'est pas trop mal quand je les coupe toute seule au niveau de la frange. Alors, ce que je, parce que vous êtes plusieurs à me dire, oh, mais c'est quoi alors? Qu'est-ce que t'as comme idée de changement de cheveux, de look? C'était vraiment mais l'opposé. Soit, effectivement, je continuais à faire mes petites mèches et tout. Et c'est vrai que le blond, une fois que tu as goûté, c'est très dur de changer. Ou alors, ça, mon problème, c'est que quand tu changes, si c'est pour repasser au blond au bout d'un mois parce que je supporte pas, ça abîme les cheveux, quoi. L'idée, pour que j'accepte le changement, il me faut une longueur. Je le sais complètement. Donc, qui dit longueur? Forcément, je ne suis pas Barbie, princesse réponse, tapis dans le dos et les cheveux poussent tout seul. Ça veut dire extension. Je sais, j'avais dit que je faisais une pause. En même temps, j'ai fait une pause, ça fait presque un an. Ouais, ça fait un an même. Donc, ça voulait dire une certaine longueur, une certaine masse. Pas une masse de ouf, parce que j'ai quand même un petit visage. Quand je dis longueur, c'est pas non plus jusqu'aux fesses, c'est au moins ici. Et c'était vraiment de devenir châtain. De devenir, pas brune, hein, évidemment, mais quelque chose de plus foncé. Bah, comme ma racine, en fait, moi, j'ai une racine. Je suis blanc foncé. Donc quelque chose de plus foncé, mais c'est vrai que avec les yeux bleus, ça ressort vachement plus, ça donne un peu du caractère, même si j'ai le teint clair, ça passe. Le tout, c'est pas aller vraiment dans du trop foncé, ou bien, voilà, bah, c'était revenir toujours à mon blond. La machine s'excite, donc je vais faire... Non, je vais attendre que ma fille arrive, je pense qu'on va gagner ensemble. J'ai pris des petits wraps à la boulangerie ce matin, ça avait l'air très bon. Je vais étendre la machine et après, bah, on va voir le programme, comment on s'organise pour tout ça. Je viens de recevoir le colis. Bon, j'ai enlevé l'étiquette parce qu'il y a mon adresse dessus. D'ailleurs, j'ai arrêté de présenter les box. Enfin, j'ai gardé que My Little Box pour la chaîne des box. J'ai prévenu. De quelle box il s'agit? Oh, c'est joli déjà. C'est à contre-jeu. Ah, mais n'importe quoi! Ah, oh, merde, c'est My Little Box. C'était marqué la box du mois. Vous savez que moi, je la reçois, je la tourne tout de suite dans la journée, mais là, ça va être chaud, quoi. Pouf, je vais voir. D'accord, ma fille vient d'arriver. Et on a fait le planning, je tourne la box rapidos. Projecteur, brancher la guitare. Hop là, bon. Je vais faire vite fait le montage. Midi 44. Tu veux manger quand? Bon, bah on va manger. Allez. Hein, je fais le montage après. Midi 44. Alors. On va regarder ça. Je suis passée devant. On n'a même pas dit bonsoir à bébé Saké. Que c'est ça? Ça va, mon bichon? T'as eu petite séance ce matin de gratouillis. Elle était bien, hein? Alors, nous avons... Attends, je pense à ça, ce soir, c'est crêpes. C'est pas pareil, mais bon, c'est proche. Elle m'a dit qu'il y en avait un au thon et un crudité cheddar. Donc, j'ai pris deux crudités cheddar et celui au thon. Je pense qu'on va couper pour se rendre compte. Ça, c'est le cheddar crudité. Et ça, c'est thon. Oh, non. J'ai terminé, il est 14h. J'ai bossé à fond. Je ne pensais pas que je terminerais. Bon, je mets les bottes. On y va? On garde ça pour le... Alors, nous sommes allés à la foire Fouille
J'ai pas filmé parce que c'est galère, galère avec ton Max, ton machin. On a trouvé quoi, la foire fouille? On a trouvé qu'une chose, qu'elle voulait découvrir un peu doré et tout. Qu'est-ce qu'on a trouvé, la foire fouille? Ah, si, des trucs pour mettre sur la table. Ah, voilà. En toile de jute pour faire un chemin de table. Ensuite, nous sommes allés à Leclerc, on a acheté plein de trucs pour faire vraiment la crêpe partie luxe avec le saumon fumé, de l'andouillette, de tout, plein de trucs, des petits champignons qu'on va couper, on va faire tout ça. Là, je suis en train de faire chauffer les patates parce que je pense faire des émincés de patates dans les, quand tu vas dans les crêperies, il y a ça. Quoi d'autre? Bon, on a pris des belles serviettes et là, Marie est en train de faire la table en déco. Voilà, je sais plus. Et d'autres choses. Après, il faut que je retourne à la maison pour uploader la vidéo que j'étais en train de faire juste avant. Et voilà, pour l'instant. Ah si, il faut que je vous montre. Regardez ce qu'on a pris. Ce sont des vrais. Les pivoines, moi, c'est mes fleurs préférées. Elles étaient à Leclerc. Elles sont splendides pour mettre aussi sur la table. C'est trop, trop beau. Et là, c'est la table qui est en train de se préparer. Il y a du soleil, après, c'est pas terrible. Il y a du soleil, enfin, c'est très variable. Parce que ça aurait été sympa pour l'apéro. On n'est pas beaucoup, on n'est que 6. Mais c'était histoire de marquer le coup. Pour la pâte à crêpes, peut-être. On verra. Bon, alors, voilà la table. Ça, c'est Marie qui a tout fait. C'était selon... D'ailleurs, c'était exactement comme toi, tu l'as vu dans ta tête. La toile de jute, elle voulait ça. On l'a trouvé nickel chez Jiffy. Bougeoir, ils viennent d'où, tu m'as dit? Jiffy. Les bougeoirs noirs, ouais. Les verres, pareil. Les assiettes, ça c'est tout à l'heure. Il y a toute une série florale. Là, c'est un peu assiette creuse dans laquelle on va mettre un peu les ingrédients. C'est trop joli. Les fleurs, on a mis dans un vase plus petit. Ça, c'est beaucoup plus harmonieux, je trouve. Et ah bah oui, les dessous, tu les as eu où ceux-là? Bah, Jiffy aussi. Ah ouais, des idées de génie. Ça rend très très bien tout ça. Alors... On est revenu à la maison parce qu'entre temps, on est reparti à Leclerc avec Eric. On avait besoin de faire un complément de cadeau. Et on est resté presque une heure, du coup, dans Leclerc. Là, il faut que je me change, que je me lave. Et voilà, que je pense à prendre les derniers trucs qui sont dans le gâteau, notamment, un truc comme ça. Et après, eh ben, on va y aller. Ah, c'est cool, on a trouvé des trucs trop sympas. Ça, c'est pour Eric, parce qu'il m'a dit je voudrais un truc qui soit... Parce que quand il craque, il a envie de manger des desserts. Il m'a dit, fais-moi, donne-moi des infusions le soir. Je prendrais ça, mais bon, c'était le seul que j'ai trouvé un peu gourmand. Batitisha, les beaux garçons. Je suis prête. J'adore ce pantalon. Je suis trop bien dedans. Donc, j'ai... Voilà, j'aime bien, moi, ce look. C'est moi. Le bruit que vous entendez, c'est la machine. Faire un de ces bazars. J'ai fait un maquillage assez prononcé au niveau des yeux. J'aime beaucoup. Enfin, disons que j'ai mis du noir en dessous, Je mets plus de robe, moi. Faudrait peut-être que je remette, quand même. Bon, je vais te donner à manger pour la deuxième fois. Parce que je sens que tu vas pas me lâcher. C'est la tristesse. Tartelettes croustillantes à la Saint-Jacques et fine persillade. Donc 12 minutes, on fait préchaud. Les gâteaux, on n'a pas trop chargé en gâteau. Elle va faire des cours de cuisine. Moi, je vais faire des cours de cuisine. Comment elle touche les pommes de terre? Ah oui, merci. Tout ça parce que. Merci pour ton aide. Je vous avais dit de m'attendre. Oui, bah oui. Si on t'avait attendu, on y serait encore. J'avais d'autres projets à Leclerc. La flûtasse, et ben ça rend bien, hein. Magnifique. Non, elle est vraiment belle, sa table. Hein. J'adore. Ah, allez, on va mettre ça pour l'apéro. Ça, c'est le petit croque-monsieur maison. Je suis en train de boire l'apéro, j'ai failli les oublier. Qu'est-ce que ça sent bon, la petite persille. Hein. Faut que je trouve un plat maintenant. Ça fait 5 mois au moins que j'ai pas bu un petit verre d'alcool. Tu le sens là. On a du chèvre, on a du saumon, on a du poulet, on a quoi? De l'andouillette, bacon, dinde, pommes de terre pour faire, vous savez, les petites galettes. Et comment ça s'appelle? Champignons, voilà. Ça commence à chauffer là. Je retourne. C'est sans toute ma vie ça. T'avais acheté pour la fête des mamans? Les dernières? Oui, peut-être. Voilà le gâteau, mince, il a pris un petit peu, je pense, en transforme. Donc, c'est un fraisier, j'ai demandé en forme de cœur. Et au début, je voulais rajouter des petits macarons, mais ça fera trop. Les bougies,
Je sais pas comment. Ouais, c'est parti, c'est parti. Tu me prends bien. Je crois qu'il faut souffler avec un masque. Mets un masque. Laisse tomber. Bah, tu vois bien que c'était une queue. Mais. Oh. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah la vache. C'est hyper dangereux en fait, ça. C'est bon. Bah, tu peux en parler peut-être, non? Parce que ta fille prend de feu? Non. Ah si, vas-y.